Pour étudier les populations de poissons dans le cours d'eau, les agents en fiche-passe ont organisé une opération de pêche électrique. La pêche électrique est un moyen efficace pour dénombrer les espèces aquatiques. Sur un tronçon défini à l'avance, les équipes de pêche remontent le cours d'eau munies d'une électrode pour étourdir les poissons et d'une épuisette pour les capturer. Un générateur d'électricité porté sur le dos avec une batterie ou un générateur posé au sol qui sont reliés à une canne et une tresse qui sont l'anode et la cathode que l'on va plonger dans l'eau et créer ainsi un champ électrique. Cette méthode doit obtenir un protocole très strict afin que les données soient comparables d'une année sur l'autre. Les poissons sont ensuite transférés à l'atelier de biométrie pour être comptés et regroupés par espèce. Ils sont également mesurés et pesés. Ces données permettent de déterminer précisément l'état des populations de poissons dans la rivière et ainsi d'appréhender les effets des mesures réglementaires mises en place en faveur de ces espèces. L'organisation du chantier de biométrie. L'atelier de biométrie est organisé de façon à faciliter la manipulation des poissons afin d'optimiser leur survie et la qualité de l'information recueillie. Des récipients en plastique en nombre et en taille suffisant sont prévus pour permettre le tri et la manipulation des poissons. Une attention particulière est portée au transport et à la stabulation des poissons dans les différentes phases de l'opération. 227. Des viviers adaptés, forme et taille des ouvertures, sont installés en nombre suffisant et dans un lieu propice, zone ombragée, à courant régulier si possible, en dehors de l'aire d'échantillonnage. Le cas échéant, qualité d'eau suffisante, température élevée, un dispositif d'oxygénation artificielle type bulleur doit être prévu. Au besoin, une stabulation dans un bac contenant un anesthésiant à base d'eugénol, dilution d'environ 10% en volume, sera utilisé pour faciliter la manipulation des plus gros spécimens. On ajustera la concentration finale et le temps de stabilisation en fonction de la température de l'eau, de l'espèce et de la taille des individus. Les poissons capturés ne pourront être relâchés qu'une fois la réalisation de l'échantillonnage terminée, y compris si la biométrie est réalisée en parallèle à l'échantillonnage. À la fin d'une pêche sur un site, il est important de ne pas véhiculer des agents pathogènes, comme peuvent être les bactéries, les champignons, les virus et les parasites, qui seraient potentiellement présents vers un autre site.
Pour cela, il est recommandé de nettoyer les épuisettes, les waders et le matériel de pêche à l'électricité, avant et après chaque utilisation. En principe, le matériel doit être immergé dans une solution désinfectante puis séché à l'aide d'un tissu souple. Pour des raisons pratiques, il est plus simple d'utiliser un vaporisateur qui contient la solution désinfectante pour asperger l'ensemble du matériel.